Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le 30 euros challenge, donc let's go! T'as le panier, c'est bon, on y va? Oui. Donc 30 euros, hein? Ah, il y a du Harry Potter ici. Mais il n'y a pas ce que tu voulais, je crois. Tu veux qu'on regarde dans les rayons Lego, là? Il y a peut-être un rayon Harry Potter, non? Ah, tu veux ça, déjà? Oui. D'accord, bah vas-y, tu peux en prendre un, si tu veux. Donc, il te reste 25 euros. Du coup, tu veux quoi? Bah après, si tu veux prendre plusieurs choses, il faut que tu regardes un peu partout. Ouais. Tu veux regarder par où? J'adore Super Sun. Ouais, c'est trop bien le Super Sun. J'ai pas assez. Bah si, t'as assez pour prendre des recherches si tu veux. Je vais prendre les Sylvanias. Les Sylvanian? Oui, les Sylvanian. Donc 6,99€. Donc je fais le calcul, ok? Oui. Donc il te reste 19,01€. À quoi est l'homme? Ça, oui, je sais que t'en avais fait, t'avais bien aimé. Ouais, j'avais fait les sirènes. C'est vrai. Tu vas aller dans quel rayon? Qu'est-ce que Luna va acheter? Waouh, t'aimerais bien la grosse maison, toi. T'as vu? Ah, il y avait ça aussi, regarde. Ah ouais, j'en veux. 7,99€. Ah, c'était ça aussi que tu m'avais demandé la dernière fois. En plus, j'ai parié avec papa quand j'arrivais pas à prendre de l'or. Ah bah oui. Bon, je calcule combien il reste? Oui. Il te reste 11,03€. Bah, à toi de gérer les prix. C'est beaucoup. Ah, regarde. Ah, t'as vu, ils ont remis des lol comme tu voulais la dernière fois, là. Les surprises, oui. 12,99€. Il te manque 1€. Donc soit tu reposes quelque chose, soit je sais pas. Tu reposes quoi? C'est toi qui choisis. D'accord, donc je refais le calcul alors. Il te reste, du coup tu as reposé l'autre truc. Et il te reste 19,02€. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, je crois que j'en vois pas. Hein. Après, il y a du Poupsy. Tu voulais pas du Poupsy? Non. Pas de Poupsy. Ah, c'est pas évident de choisir, là. Hein. Il y a... Tu voulais pas les Smooshy Mouchy, alors? Tu veux pas aller voir les jeux de société? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, moi, je te suis. Donc, à toi de me dire ce que tu fais. Je sais... Est-ce que je... Il y en a plus des... Non. Eh oui. Bah, c'est toi qui choisis, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je ne prends pas parce que c'est trop cher. D'accord, donc on va dans un autre rayon? Oui. Ah, là, il y a l'univers Harry Potter. Ah, tu vois? Tout ce que tu aimes. Il y a un puzzle. Ouais. Que j'aime bien. Il y a quoi d'autre? Il n'y a pas les Lego de la dernière fois, Harry Potter? Ah, ça, c'est un gros pop, ça. Oui, c'est un gros pop. Qu'est-ce que tu veux, alors? Je sais pas. C'est pas évident, hein? Il faut que tu te décides. Je vais aller prendre la bague. Il te reste 19 euros, Luna. Oh. Ouh. Allez. Il y a plein de jeux de société. Il n'y a jamais le Monopoly Fortnite. C'est vrai. Il te reste 19 euros. Hein. Alors choisis bien ce que tu veux. Ah oui. Ça, c'est des cartes Harry Potter. Alors, j'ai changé de caméra parce que je n'avais plus de batterie dans le téléphone. J'ai jamais de batterie de toute façon. Et Luna ne sait toujours pas ce qu'elle veut. Ah oui, tu n'as pas assez, ça dépasse.
Va, avance voir ce qu'il y a d'autre. Faut se dépêcher, le magasin va fermer. Ah oui, pour les petits frères, ouais. Non, tu n'as pas assez. Il te reste 19 euros. Et ça ? Ça non plus. Et qu'est-ce que je te prends ? Bah, il faut qu'il y ait un 1 et un 9 max devant. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Des squishy Harry Potter ? Bah si, tu peux... Il te reste encore 10 euros après. Bah je sais pas, regarde les prix. Ça, je peux pas. Si tu peux. Je vais attendre au hasard. Celui-là. D'accord. Ah, oh, c'est pas les mêmes choses, là, les roses, alors que les autres, c'est pas les mêmes. Ah oui. J'ai pris plein de choses quand même. 4, non. 1, 2, 3, 4, 4. Et c'est tout le budget. Et il te reste, alors si je fais le calcul, t'as pris en tout cas 10 euros, 20, 9, il te reste 6 euros. Allez vite. Je peux prendre quoi? Bah quelque chose à 6 euros. Mais je sais pas, y a quoi. À 6 euros, y a quoi? Bah là, il n'y a pas grand chose. Après, tu peux reprendre des smoothies, des petits. Ça? Oui. D'accord. Non, un rose, c'est de la même famille. Il te reste 3 euros. Tu peux en prendre encore 2 si tu veux. Encore 2 après ? Non, que 2 en plus. Ah. Ça et encore un ? Oui. Ouais, je vais prendre une rose comme ça. J'aurai plus de roses. D'accord. C'est bon ? On y va ? On va à la caisse ? Oui, on va à la caisse. Enfin. Entrer à la maison, donc je vais te présenter tout ce que j'ai acheté. Pour commencer, j'ai pris des Lego Harry Potter et les animaux fantastiques. Oui, voilà. Et c'est de 5 ans et plus. Et il y en a 22 à collectionner, je crois. 22 à collectionner ? Oui, je crois. Ah oui. Ah oui, tu adores Harry Potter. Tu n'en avais jamais acheté des comme ça ? Non, j'en ai jamais acheté des trucs comme ça, des pas comme ça. Bah, ça sera la première fois. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Oui, vas-y, regarde, tu as qui ? C'est qui ? Dobby ! C'est Dobby ! Oui, c'est Dobby ! L'elfe de maison. On adore Dobby, donc ça tombe bien. Donc là, je vous montre la collection. Voici les premiers à collectionner. Et apparemment, Luna a eu Dobby, donc le numéro 10. Ça commence bien. Imagine, on avait eu le numéro 1. Et du coup, bah, c'est de quoi, l'autre... le numéro 1 ? Ah, c'est Harry. Oui, c'était Harry. Et du coup, de l'autre côté, ce sont la collection des animaux fantastiques. Où il y en a beaucoup moins à collectionner quand même. Que donc là, tu ça. Es contente ? Je pense que c'est comme ça, c'est dans le livre. Oui, ça doit être ça, oui. Premier, je suis trop contente et maman pourra faire la collection. C'est vrai que Dobby, il est trop chou. Bon, il a une tête un petit peu bizarre, mais bon, ce sont des Lego. Voilà, et j'aimerais trop qu'on fasse la collection. Bah, si tu veux, on continuera à faire la collection. Mais on aurait dit qu'il a une tête vieux. Parlons d'Harry Potter, on va ouvrir ça. Ah oui, tu as pris, alors c'est une peluche mystère, alors oui, parce c'est que, ça. En fait, nous, on croyait que c'était des squishy. Parce qu'en fait, c'était... Mais en fait, à force de toucher, en fait, ça... C'est pas... Tu t'es aperçu que c'était pas des squishy. Voilà, donc on va ouvrir. Donc t'as déjà un peu ouvert, mais bon, c'est toujours pas non plus qui voilà. est dedans. Parce que j'ai fait comme ça, j'ai juste fait comme ça pour toucher. Comme oui. ça, mais j'ai pas vu. Alors... Toi, tu dis que c'est qui ? Harry. Harry ! Tu nous montres, il y avait qui aussi à collectionner ? Regardez sa baguette, on aurait dit qu'elle est avec ça. Tu nous le montres ? Voici Harry Potter en peluche. Il est trop chou et ça tombe bien, Luna ne l'avait pas. Ouais. Bah de toute façon, c'est ton premier comme et ça. Et en plus, c'est le premier. C'est vrai. On a eu le premier. Donc il y a Harry, Hermione, Ron, Drago, Hagrid, Voldemort, Dumbledore, Dobby, Crux, le chat dernier,
et le hibou de... D'accord, alors. Donc voilà, Luna vous a dit tous les noms à collectionner. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. En tout, il y en a 10 à collectionner. Oui. Donc bah du coup, on va faire la collection. Et il y en a aussi chez... Micromania, on peut en trouver un petit peu partout de ça. Moi, ça, j'ai trouvé dans le rayon où il y a des choses de Claire's, donc à Claire's. Ah oui, c'est vrai que sur le site de Claire's et au magasin Claire's, on peut en trouver. Oui. Parce qu'ils font beaucoup de choses Harry Potter. Moi, j'aimerais trop avoir Voldemort, Ron, bah, tous Hermione. En fait. Moi, j'aimerais tous les avoir. Et on aurait dit que Dobby, il est pareil que là-bas. Oui, c'est vrai. Il est pareil, regardez. Là, bah oui, il est plus petit. Là-bas... Sauf que là, c'est le petit format et l'autre, c'est le plus gros format. Ouais, là-bas, c'est le plus gros format parce que sinon, ça rentre pas comme ça. C'est vrai. Ensuite, j'ai pris des recharges. Des recharges d'Aquabuse. Sylvanian. Sylvanian. Sylvanian comme ça. Ah oui, tu regardes en ce moment sur Netflix la série. Oui, donc c'est de 4 ans et plus. D'accord, donc en fait, là, tu as toutes les couleurs à l'intérieur, c'est ça? Oui, j'en ai 160. Oui, ça doit être 600. Ça. D'accord. Ah oui, 600 perles, d'accord. Et donc ça se rajoute à l'Aquabiz que tu as eu à Noël. C'est bien ça? D'accord. Mais là, c'est juste pour faire des Sylvanian. Ok, ça marche. On peut les mélanger avec les autres. Wishes. Et donc là, c'est les petits et c'est les nouveaux. D'accord. Donc, tu en as pris combien de ceux-là? 3. 3 smushy. Et de la même famille, vu qu'ils sont roses. Et les autres, il n'y avait pas les mêmes dessins là. Du coup, c'était les autres familles. Bah, j'espère pour toi que tu n'auras pas des doubles. Oui, donc... Bah, on va les ouvrir. Hein. Oui, on va les ouvrir. Là, comment se présentent les petites boîtes? Et c'est la série 4. J'ai ouvert, donc je ne sais pas si elle est. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oh, c'est un pot de Nutella, je crois. Ouais, c'est bien un pot de Nutella. Un petit pot de Nutella. J'espère que j'aurai pas de double. Il est trop mignon. Alors, attendez, je vais vous faire un petit focus. Voilà. C'est un pot de Nutella. Il est trop chou. Nous, c'est un petit squishy. On ouvre les autres? Il est pas trop squishy, hein. Moi aussi, ça va. Tu ouvres les autres? Oui, alors, il en reste deux. Et quand même, c'est trop bien présenté, hein. Oui, c'est vrai que les boîtes, elles sont trop mignonnes. Oh, j'ai cru que j'avais encore le pot de Nutella. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, il est trop beau. C'est un petit cupcake, non? Et celui-là, il n'était pas... Le truc, il n'était pas dans le papier. Emballé. Ah oui, c'est bizarre. Je ne sais alors pas pourquoi. Alors que l'autre, il était emballé. Oui. Donc, tu nous le montres je de plus près? Je crois que c'est... c'est un... Je sais plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on dirait une boisson en fait, avec au-dessus. Alors, montre un petit cookie. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs à quoi vous pensez. Pas de double. Voilà, pas de double. Et le dernier. Moi, j'ai cru que c'était ce qu'il y avait là dans les boîtes. Ah bon? Ouais, en plus, il est trop bizarre. Alors. Oh non! Un double. Oh non! C'est pas grave. Devine c'est lequel? Le Nutella. C'est trop fort. C'est vrai, c'est ça? Et ah voilà non! Tu m'as pranké. Donc, je suis trop déçue. Peut-être qu'on fera gagner. Oui, bah, quand on fera le gros concours des 30 000 abonnés, bah, on le rajoutera au concours. Oui. Tu peux peut-être du coup le remettre dans sa boîte et puis comme ça on le donnera dans le concours. Voilà. Et... Ça fera un petit cadeau en plus. Voilà. Et on ne vous a pas montré le ticket d'ailleurs, bah, donc oui, je vais vous oui. le montrer. Voici le ticket et Luna en a eu pour 29,94 €. Alors franchement Luna, tu en as eu pour 29,94 €. Tu as su très bien gérer ton budget. Franchement, bravo. Merci à tous. On envoie les feux d'artifice. N'importe quoi. Et quel article vous avez le plus aimé? Dans cette ça, vidéo. Ça et... Harry Potter. La bûche. Et les smoochies. Voilà, les smoochies. Voilà, dites-nous bah, d'ailleurs si vous aussi vous en avez à la maison. Voilà. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous, ciao, ciao.